C'est à Rupert de Deutz que Benoît XVI a consacré aujourd'hui sa catéchèse à l'audience générale. Moine bénédictin du XIIe siècle, Rupert est un théologien qui s'est distingué par sa droiture morale intègre et son attachement au siège de Pierre. Nommé abbé de Deutz en 1120, il a participé à d'importantes discussions théologiques. Tout d'abord, a rappelé le pape, il a défendu sans relâche la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, un mystère qu'il faut aimer et adorer. Et encore, Rupert insistait sur la bonté absolue de Dieu, soulignant que l'origine du mal est en l'homme lui-même et dans le mauvais usage de la liberté. Parmi ses œuvres, une belle présentation des privilèges et des vertus de la Vierge Marie, à ses yeux, la partie la meilleure de l'Église. Rupert, a conclu le pape, rappelle que chacun de nous peut rencontrer Jésus qui nous accompagne sans cesse sur notre chemin et se manifeste à nous dans le pain eucharistique et dans sa parole pour notre salut. Ruperto amò sempre la vita monastica.